Hey, salut les gamers, content de vous retrouver, c'est Gilo. Voici l'épisode 8 que vous attendiez pour bien passer ce week-end comme il le faut. C'est marrant, j'approche du sanctuaire. Et moi, je l'avais vu où, ce sanctuaire? Rappelez-vous. Vous savez quoi? Je crois que je vais laisser tomber le sanctuaire. J'ai envie d'avancer là-bas. Et on reviendra après. Quand on aura, je l'espère, un moyen de transport plus efficace, plus rapide, c'est quoi? Ah bah ça, j'en ai besoin, tiens. On n'en a jamais assez. Des escargots silencio pour faire la popote. Ouh, des petites... Oui, ça, j'ai pas encore eu des petites libellules. Ah bah il est là! Il est là, le sanctuaire! Quel idiot je fais! Voilà, on va pouvoir le faire. Ah, c'est cool! Regardez ces beaux reflets en même temps dans l'eau. Vous êtes moche. Et vous êtes mort. Hé, hey, j'ai plus d'arc. J'ai plus d'arc, j'ai plus de flèches. Tiens, moi je vais te faire. Faut être mobile. Voilà. Il est encore mort. Dégage. Merde. Lui, il m'a laissé quelque chose dans l'eau là-bas. Par contre, rapproche-toi. Viens voir papa, que je puisse te... Hé, c'est qui? Il y a quelqu'un, là? Attendez, je vais ramasser d'abord. Je ne suis pas seul sur cette île. Griffe de les Alphos. Cette griffe qui pousse sur les coudes des les Alphos peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard, ou en faire un ramen. D'accord. On verra ça plus tard. Une corne de l'Esalphos, cette corne coriace, peut être utilisée en cuisine, mais la cuir permet d'obtenir un remède. C'est pourquoi on vous l'achètera volontiers en magasin. Ah, pour me faire de l'argent. Attendez, avant d'aller parler à cette personne qui chante, qui fait... Moi, je vais vous désinguer, mais alors vite fait, bien fait. Toi, t'as des flèches, moi j'ai ça. Tiens. Et ta tête ne survivra pas. Elle est mise à prix. Eh, hey, va pas l'attaquer, hein. Tiens, je vais te défendre. Ah oui, il est cassé. Mon arme est cassée. Ouais, je vais siffler, comme d'hab. Avant de trouver mon arme. Ok. Allez, tu prends pas la tête, directos, tu prends l'espadon. Voilà. Tiens, viens ici, toi. Viens ici. Ah, il se barre. C'est bon, j'en ai besoin, ça. Allez, on ramasse. Et on lui parle. T'es qui, toi? Bon sang, mes marchandises sont tellement bonnes qu'elles attirent toutes sortes de bestioles et de maraudeurs. Merci pour le coup de main. Un peu plus, et on aurait pu me servir en tartare. Tiens, voilà pour te remercier. Citrouille farcie protecto. Waouh! Augmente l'efficacité de la défense niveau 1. Grande spécialité du village de Cocorico. Ce plat de viande se consomme dans la niche creusée. Hein, c'est ça? Se consomme dans la niche creusée dans la chair d'une citrouille armo. Ouais, et pendant 1 minute 20. C'est bien ça, c'est gentil. Si je te... Laisse-moi deviner. T'es en manque de sel? Ça tombe bien. Je ne vends pas que de la viande, j'ai aussi des cristaux de sel. Faut dire que les deux vont bien ensemble. Je ne vends que de la viande de premier choix, satisfait ou remboursé. Tiens, je veux acheter. Je veux vendre. Si je fais acheter, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai de la venaison fine et de la viande de volaille fine. Fais-toi plaisir. Alors, moi, j'en ai combien de... Ben, je peux rien acheter, en fin de compte. J'en ai zéro, moi, de cristaux, si je veux de la venaison. Oh, t'as pas assez de rubis, petit malin. T'as pas assez de rubis, d'accord. J'ai pas assez de rubis. Ce sera tout. Fais pas ton timide, surtout. Alors, je veux vendre. Tiens, si je fais... Tu proposes quoi, hein? Alors, je sais que je viens de ramasser des trucs, là, que je pouvais revendre. Oui. Je crois que c'était ça. Ouais, il y a ça. Si je revends, il me l'achète combien? Une corne de Zelalphos, je peux aller jusqu'à 10 rubis. Ah ouais, c'est d'accord. Ah! Yeah! Génial. Voyons ça. Alors, si je vends ça... Bon, je veux rien vendre pour l'instant. Ouais. Par contre, je veux bien acheter. Ah! Allez, de la viande, moi, il me faut.
J'en ai... Oh, tu parles, j'ai que 10. Oh, ok, il va m'en falloir beaucoup plus. Allez, ciao, mec. Ciao. Ah. À la prochaine. Et fais gaffe à toi. Bah, effectivement, faut faire gaffe. Bon, je disais, il y avait quelque chose dans l'eau, là-bas. Quand j'ai tué le... L'ennemi, ouais. Ça, c'était à récupérer. Est-ce que je peux... Attends, il y en a encore là-bas ? Ouais, il y en a encore là-bas. Ouais. On récupère un peu de... force, voilà, endurance. Yes. Ouais. Est-ce que je peux lui vendre ? Est-ce qu'il est encore là au moins ? Je crois que c'était de la corne, il me semble. Ouais, je vais lui revendre en magasin. Alors. Ah ! Non, je veux pas acheter, non, je veux vendre. Ah ! Ok. Voilà. 10 rubis. Ça m'en fait 20. A plus. Ah. Donc nous disions donc que dans ce jeu tout peut arriver. Vous voyez ? Eh bien, je vais grimper là-haut, on va se le faire, et après on ira là-bas, regardez comme c'est joli. Aïe 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 aïe, j'ai toujours ce mot-là en bouche, le mot joli, il revient des dizaines de fois. C'est parti. Et du coup, on, vas-y, accélère. Tout juste, hein. Ah, il y a de la roche avec des métaux précieux, j'ai bien l'impression ici, je vois, ouais, ça brille. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Une bombe, tout simplement. Tu vas en placer une. Carré, comme ça, elle ne va pas rouler. Tu la poses. Pour la poser, on fait comment, déjà ? Ben, ah, tout simplement, il suffit de lire, hein, Gilo. Hein. Allez, c'est parti. Ça me donne quoi ? Pas cool. Ou pas le brut. Allez, on monte là-haut. Sanctuaire du Ridaï. Allez, go. Au moins 4, s'il vous plaît. Ça, moi. Quand c'est une question de timing, ça me pose problème souvent. Ah, d'accord. Fais tomber cette boule. Ok. Yes. Allez, c'est parti. Voilà, je le sens bien. Vas-y. Ok. Ah, mais je fais quoi là? Panique pas, panique pas. Ah ouais, c'est vraiment une question de timing, regardez la boule. C'est parti. Bon d'accord, il faudra le faire bien avant. Et cette fois-ci, je vais réussir. Bien sûr. Dit-il. T'as intérêt à te mettre là-dessus parce que la plaque, elle va partir. Ouais, je l'ai vu au dernier moment. Elle va s'allumer. Voilà. Je m'en doutais. Ah ! Allez. Voilà. Bon. C'est ici que ça se passe.
on fait quoi? Ah oui, d'accord, juste au bout. Vas-y, Gilles. Ah, presque. Oh, c'est chaud. Non, bien avant. Vas-y. Ouais, super. Et vite, vite, vite. Pas grave, elle est là. Par contre, t'as plus de cœur. T'as intérêt à te régénérer tout de suite, mon gars, parce que tu vas pas faire long feu. Ouais, tu te prends ça, puis c'est bon. Voilà. C'est quoi, c'est un coffre? Bon, on va se le prendre, celui-là. Tiens, par contre, attendez, il y a quelqu'un qui arrive à ma porte. Je fais pause. Bon, bah, tout simplement, on va se servir du Polaris. Bah, j'espère. J'espère que c'est ça. Ah non, du tout. Non, du tout. C'est pas ça du tout, Gilo. Je suis en train de réfléchir. Je peux grimper là? Là, je tombe, hein, je pense. Ouais. Bon, à mon avis, on va se le prendre de haut, tout simplement. Regardez, attendez. On peut peut-être se le prendre d'ici, non? Vous en pensez quoi? J'essaye? Je pense pas, hein. Parti. Ah, je rigole. Allez, on voyage dans l'enfer. Regardez dans les entrailles. Y'a plus rien, je vais être aspiré. Allez. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Un autre emblème? Je me demande bien ce qu'il va me donner. Emblème de triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui tombent d'une épreuve. Donc c'est le premier tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, j'avais réussi à en avoir 4. Donc ça recommence. Il faut certainement en trouver 4. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Par contre, j'ai pas eu le coffre, et ça m'embête. J'ai pas eu le coffre à l'intérieur, les gens. C'est pour ça que j'ai envie de marquer ce... J'ai envie de le marquer, là, ce... On va le marquer. On va le marquer... avec ça. Avec un coffre. Voilà. Comme ça, je reviendrai là. Dites-moi comment vous avez réussi à avoir ce coffre. Autrement, je demanderai à mes fils qui sont avancés dans ce Zelda. Dites-le-moi, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à chercher, là. Ouais. Allez, go! C'est parti pour l'aventure! Youhou! Vous avez vu où je dois aller? C'est là-haut. Chaféo, hein. Waouh, ça donne le vertige. Donc pour l'instant... Oh, un autre sanctuaire à proximité? À tous les coups, il doit être là-haut, c'est pas possible autrement. Ouais. Je vois que ça parce que... Autour de moi, là... Ouais, c'est ça. Par contre, on va se faire plaisir avec eux. Est-ce que je peux la pousser? Ouais, je peux la pousser. Est-ce que celle-ci, on peut la prendre? Yeah! Oh, on va se faire plaisir, les gens. Regardez comment on va se faire plaisir.
Ils m'ont même pas encore vu, par contre, ils vont voir juste le truc arriver, ils vont se demander ce qui se passe. Regardez, allez, 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 comment on va se faire plaisir. Wouhou! Ah non, mais là par contre. Allez, je vais en faire qu'une bouchée, moi. Ils veulent me cuisiner ou quoi? Oubliez que j'ai bonne épée là. J'aurais dû la faire rouler. Tiens, j'ai oublié de prendre son épée. Là. Merci mon gars. Merci, merci. Là, il y a du courant, donc je vais pas aller dedans. Je vais encore me retrouver. Il y a pas mal de trucs à prendre, hein, regardez. Ouais, mais il y a le courant, ça m'embête. Javelot. Bouclier. Bon, là, je suis vraiment au max. Je vais faire la popote, lui. Tu vas venir vers moi, mon gars. Allez, viens. T'as peur? Ah, il y a un... Merde. Ah, bah, il a été secoué quand même. Par contre, du coup, vous avez vu, j'ai cassé... Tiens, on va utiliser celle-ci qui va se casser bientôt. Voilà, et les mains. Le coffre. De la corne. Arc, je m'en fiche. Par contre, flèche, ça oui. Torche. Je dois faire un peu de cuisine, mais vite fait, hein. D'accord? Ça vous dérange pas? Et après, on se prend le coffre. Vite fait, vite fait. Préparation augmente l'attaque. Allez, c'est parti. Je vais en prendre deux. Et on les fait cuire. Pour chair de poisson, Robusto augmente l'efficacité de l'attaque pendant 1 minute 40, niveau 1. Une préparation rapide et savoureuse cuisinée de cette manière, le poisson révèle toute la subtilité de ses arômes. Miam, miam, miam. Alors, je vais mettre... faire cuire cette viande. Venaison. Ça, ça va le faire. Ouais. Waouh, regardez. Ça, c'est bon, du gibier, ça. Une brochette juteuse de venaison grillée à point sur les flammes. J'aurais peut-être pu en mettre deux. Ça m'aurait mis... Pardon. Ça m'aurait remis plus de cœur. Ouais. Donc là, on va en faire une. Puisque j'en ai plus qu'une. C'est ok. Et on va la faire, cette viande de volaille... grillé également. Bonne petite cuisse qui va me remettre pas mal de cœur, je l'espère. Au moins, trois, j'espère. Deux seulement, bon, c'est mieux que rien. Alors, il est par contre très apprécié pour préparer des remèdes. Ouais, ok, ouais. Alors, préparation au chapeau dur comme le rache renforce le corps et augmente la défense. Tiens, je vais le faire, je vais en prendre deux même. Voilà. Brochette de champi protecto augmente l'efficacité de la défense. Une préparation très simple qui révèle tout le goût de ces champignons. D'accord, aux belles couleurs champêtres pendant 1 minute 40 lorsqu'on les prend. Je vais me faire. Ça, ça augmente la défense. Si j'en mets deux, prendre. Prendre. Oh oui, 4 cœurs, nickel. Augmente l'efficacité de la défense niveau 1, une préparation rapide, ok. Ok, pendant 1 minute 40, ça me convient bien. Et je vais terminer par... les champis d'Irul, ça remet pas à grand chose. Hein. Quand il y a ça... ouais, je sais que je peux faire là une préparation, un remède. Je vais peut-être la mélanger, pardon, excusez-moi. Hein. Je vais mélanger ça... avec une grenouille. Re-
Promet tempo se remène au niveau 1 pendant 2 minutes 10, augmente la vitesse de déplacement, d'accord. Très bien. On s'arrête là, hein, d'accord. Allez. Plus de temps après, perdre, pardon. Je dois arrêter de jouer dans 10 minutes. Et je suis certain que le sanctuaire est là-haut. Tout là-haut. Allez, on va se prendre tout de suite le coffre. Un boomerang ! Il semblerait que la forme singulière de cette arme conçue par les Korogu, le peuple de la forêt, lui permette de revenir vers son porteur après avoir été lancé. Yeah, génial ! Alors, le chiffre 2 et 8, dites-moi un peu ce que ça veut dire. Le chiffre 2, c'est quoi ? C'est la durabilité ? Et le 8, c'est l'attaque ? Ou l'inverse ? Merci. On va le tester. Ouais. Comment on fait pour le... Ouais, pour lancer, normalement, c'est ça. Pour lancer... Non, ça, c'est l'arc, Gilles. Si tu le lances... Il revient. Il est pas revenu dans ma main. Hein. Il revient ici, quoi. Mais bon, c'est pas mal, quand même. On va ranger pour l'instant. Allez. Je suis juste à côté d'un sanctuaire. Le problème, c'est que j'espère qu'il est pas tout là-haut, parce que sinon... Oh, regardez. Oh, il doit être derrière à tous les coups. Oui, il est là. Oh, il est là. Yes ! On va se le faire, hein, d'accord ? Ça fera le deuxième récompense. Et là, tout là-haut, regardez, qu'est-ce que j'ai ? Avec une échelle, s'il vous plaît. Je vais prendre le pont, hein, je vais pas me fatiguer. Oh, il y a des chevaux ! Oh, super ! Attends, j'ai vu quelque chose, là, passer. Par terre, trop tard. J'adore ! On va avoir un cheval, peut-être, dans l'épisode 8. Ah, génial, juste avant de vous quitter. Pont de l'aîné. Sauvegarde automatique. Donc, les gens... Je vais tout de suite, si vous voulez bien. On dirait qu'il y a un coffre, là, non ? Non, j'ai cru. C'est une... Alors... Ah, tiens. Ah, bah, je crois que c'est celui qui fait l'aller-retour. Eh ben, tu es perdu ? Le village de Cocorico est au nord d'ici, mais t'es pas encore rendu. C'est-à-dire que c'est assez loin. Par contre, le relais des Gemini est juste là. Ah ! D'habitude, je vends ma viande dans les relais, mais si tu veux m'acheter... Ok, non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut pour l'instant. A plus. Ah ! J'ai pas trop le temps, vois-tu. À la prochaine. Bon, on récupère vite fait ce coffre. Ah tiens, on va soulever ça, si jamais... Oh, un rubis ! Mon premier rubis ! Rubis bleu 5 rubis ! Voilà, son éclat azuré vous donne le sourire. Bah, tu m'étonnes. Ça vaut 5 rubis verts, c'est génial. Doucement, Gilo, tu vas peut-être pas arriver jusqu'en haut. Ah si, regardez ! Vous avez vu ma santé ? Bah, mon endurance, elle se remet rapidement. Bien, ça. C'est quoi ? Épée rouillée. Bon, voilà. Non, alors si c'est une épée rouillée, c'est pas la peine. Je pensais que c'était un truc d'importance. Mais en fin de compte, non. Je vais essayer de le casser. Non, pas avec ça. Je sais pas si on peut. Clash, tiens. Si. 10 flèches en bois, j'ai bien fait de le casser. Avec des pommes en plus. Ah, génial. Est-ce que cette épée rouillée. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la place pour une épée rouillée? Elle aurait peut-être quelque chose de particulier. Je vais voir. Hein. La torche, pas besoin, je l'enlève, parce que j'en ai déjà une. Et je vais prendre l'épée rouillée. Ouais, c'est fait. Oh, regarde un peu d'ici, ici. Il y a un peu de brume, de brouillard. Gilo, tu sais quoi? Tu vas chercher un cheval, là. D'accord? Avant de te faire le sanctuaire. Parce que je vais devoir arrêter de jouer, là. C'est parti, ils sont là-bas, les chevaux. On y va ? Go ! Range ça. C'est parti. Ouais. Allez, 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 tout juste. Ah, j'aurais pu prendre. Dommage. Ouais, j'aurais pu prendre le poisson. Alors, toi, tu vas pas faire mon feu, mon gars. C'est pourquoi ? Bah, tout simplement parce que j'ai ma hache.
t'es là? Oui, il était là. Il était là, voilà. Tu ranges. Très bien. Les chevaux, Gilo. Les chevaux. Je kiffe. Ils sont là. Merde! Écoutez la musique, au loin. Je leur ai fait peur. Ah, il y a des troncs d'armes gigantesques, là. Je leur ai fait peur. Ils m'ont entendu me battre, mon ami. Attendez. Fais pas de bruit. Doucement. Doucement. Il y en a encore un peu plus loin, aussi. J'ai pas le temps de ramasser les champignons. Tant pis, on s'en fiche. Lequel je prends? Le premier. Hein. Le blanc. Oh non, il y en a qui vient me tirer dessus, je suis deg. Je vais prendre lui, là. Ah ouais, non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il a fait fuir, c'est pas grave. Contre lui, il va trinquer. Viens. J'en ai vu d'autres. Ici. Le blanc est là-bas. Vas-y, Géa. Oh, il est joli. Je sais pas comment on fait. Je vais m'apprêter à appuyer sur la touche Y, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je dois faire quoi? Calmer elle, Gilles. Je calme. Ralentir. Ok. Super. Accélérer, Gilles. Range ta hache. Voilà. Comment je fais pour accélérer? Faire pour accélérer, c'est quoi? C'est elle en bas. Je fais un apprentissage là. Accélérer, c'est A, d'accord, ok. Ouah, super! Ça y est les enfants, je vais vous laisser là. Je vous l'avais dit, j'avais plus le temps. Ouais, super, je suis content. Vue arrière, c'est quoi? Je sais pas du tout. Non, ça, j'en ai pas besoin. ZL, je me souviens plus comment on fait le ZL. C'est pas grave. On va retourner près de... Je vais vous laisser, hein, j'adore. Près du sanctuaire qui est là-bas. On aura la récompense, deuxième récompense de triomphe, ouais, c'est super. Allez, on accélère. Yeah. Ah ok, ça veut dire quoi? Qu'il est très fatigué, là? On va le calmer, hein. D'accord. Très bien. Allez. Là, on ralentit. Génial. Donc tu vas m'attendre là. Je vais descendre, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Non, je vais pas avoir le temps de faire ce sanctuaire. Je vous laisse là, regardez. C'est de toute beauté. Je vous remercie pour votre fidélité. J'adore tous vos commentaires. Enfin, je vous fais un truc de ouf. Et je vous dis rendez-vous dans l'épisode numéro 9. Les amis, les enfants, les gamers, les viewers, les abonnés, les fidèles, les vrais, quoi, de la chaîne. Gilo Game, partagez, likez, allez un maximum. Ciao, ciao.